Oui, vous l'avez aimé dans le premier, vous l'avez trouvé très bon dans le second, dans le troisième, c'était un véritable poème, et le quatrième, je vous en parle même pas. En toute logique, on retourne donc pour un cinquième épisode dans Annie Last Hope. Oui, ce jeu de zombos, plein de gros pixels, du voxel pour être précis, qui ne manque pas de me faire marrer en fait. Je vous rappelle, si vous avez raté les épisodes précédents, que 1, vous vous spoilez le truc. Et puis 2, oui, je m'arrêterai pas comme ça, on va continuer le run. Alors, on en est où? L'aventure a commencé avec Jack. Jack qui retrouvait sa copine Annie. Et pile à un moment où se passait un événement terrible, des crabes mutants prenaient possession de la population et les transformaient tous en zombies. Il est arrivé quelque chose à Jack. Oui, Jack a disparu. Et donc, c'est Annie qui a pris à son tour les armes pour tenter de démêler tout ça et retrouver son Jack d'amour. Et aujourd'hui, Annie a quitté son camp de base, qui était très inspiré The Walking Dead comme ambiance. Et après cette baladée dans une vieille école abandonnée où les occupants étaient relativement nombreux et agités, un épisode qui ressemblait plus à Silent Hill, on va dire, continue son exploration, car elle ne veut pas lâcher l'affaire. Elle sait que son Jack d'amour est quelque part par là. On y va. Où c'est qu'il me met? Ok, je crois qu'il me remet juste avant la cutscene. Alors il va falloir que je suis bien, ça va me remettre les commandes en main. Parce que oui, toutes les commandes sont utilisées et il faut être bien synchro dans l'utilisation de tout ce qu'on a à portée de main. Regardez-moi ce beau poster là, c'est magnifique. C'était pas ouvert en face? Nope. Ok, je vais vérifier 2-3 trucs au passage. Non, c'est bon. C'est tout bon. Je me sens prêt. J'aurais dû faire la réplique de Jack Burton. Tu es prêt, Jack? J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Bleh. Prenons ce rouleau de bandage. Non, vous attendiez à ce que je dise autre chose, hein. Vous êtes des canailles quand même. Eh bien non, je ne dirai pas autre chose, parce que je suis super cool. Est-ce que je vous spoil ce qui va arriver? Bah oui, on l'a déjà fait dans le précédent épisode, ce petit passage, il y en a pour une petite minute. Regardez-moi ça, comme c'est bas. Bon, de toute façon, il n'y a rien à récupérer là-dedans, on s'en fout. Si, je récupère cette Game Boy, elle est géniale. Et je vais me prendre 2-3 petits chamallows de je sais pas quoi, de je sais pas qui surtout. Et cette boutange de whisky, bien entendu. Alors, niveau critique, Annie Last Hope, est-ce que je vous redis que je suis amoureux de ce jeu? Non? C'est bon? Est-ce qu'il a des défauts? Oui, il en a. Il y a des fois des angles de caméra qui sont un petit peu bâtards, on va dire. Après, il est assez fourbe sur la façon de gérer les ennemis, parce qu'il faut rester très calme quand on se fait déborder. Ah, mais il me met super loin en arrière, en fait. Il faut rester très calme quand on se fait déborder. Bah oui, je me rappelle, parce qu'on va avoir un truc très spectaculaire dans pas très long. Et du coup, c'est super intéressant. Son défaut est une qualité, du coup. Oui, on peut dire ça. Crazy world, crazy monster, crazy people. Mais on est dans le lycée de Donnie Darko. J'ai peut-être un truc qui va sortir de mon corps et qui va me guider. Autre défaut que j'ai quand même trouvé au jeu, c'est que c'est très dirigiste, c'est dommage. On aurait aimé se paumer un petit peu. Ça aurait renforcé l'immersion. Ah mais non, on n'a pas tant mis en arrière que ça. Non, si c'est bon, si, j'ai déjà fait ça. Et du coup, oui, si ça avait été un petit poil moins linéaire, ça aurait été vachement bien du coup. Parce que y aurait moyen de faire tourner le joueur un petit peu en bourrique. Là, on voit que je me casse quand même pas trop le but. Je vais grosso merdo, malgré les angles et les virages, tout droit. Oh, si c'est une édition limitée, il faut la prendre. Scroic. Scroic. Scroic.
Je refais pas les blagues du précédent épisode, vous aviez qu'à regarder l'émission. Respecte mes autorités, quoi. Annie, attention, attention derrière toi, ça va trop tard. Apparemment, on va y avoir concert et grillade ce soir. La bonne nouvelle, c'est que je suis en vie. La moins bonne nouvelle, c'est que je crois bien que je me suis fait embarquer tout mon équipement. On prend des forces. Ouais, je suis pas très faim au petit-déj, un bout de barbac comme ça, c'est. Non. Alors si, une petite phase infiltration, ça va être sport. Oui, vous connaissez les talents de Monsieur K en infiltration? Ils sont nuls. Salut. Ça sent l'ambiance Mad Max. Mais c'est mon pote Franck. Francky. Ouais, il a pas l'air très rassurant. Le dôme du tonnerre va sembler bien pâle et fade en comparé, je crois. Ok, oui, qu'on va s'équiper. Alors, je suis pété de thunes. Mais j'ai dû me faire shipper tout mon matos. Effectivement. Ah non, c'est toujours là. Ça me rassure. Que voudrait la sagesse? Que ferait Rick une fois de plus? Je l'ai. Le soufflon, je l'ai. Le truc de l'inspecteur Harry, il tape hein, quand même. Ce serait sage de le prendre. Et ça, ça super tape. Par contre, c'est vraiment du bout portant quoi. Alors est-ce que je me fais plaisir avec ça? Ah, mais je vais le prendre. C'est fait. Le plaisir est à moi. Je vais me faire plaisir avec ça aussi. Et je vais surtout prendre. Oui, il va falloir beaucoup de ça, je crois. De ça aussi. De ça aussi. Et je prendrais bien une petite écharpe pour qu'il fasse froid, non? Equipod. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Et ça c'est bien. Elle est pas belle, la vie? Pour l'instant. Il va. Je sais ce qui m'attend. Enfin, j'en sais rien, mais... Je sais que ça va pas être simple.
Je vais régler le volume une ultime fois. On puisse s'entendre dans ce carnage qui arrive. C'est parti. Qu'est-ce qui va me balancer? Une arène, une jeune femme, à la recherche de l'amour de sa vie. Et une méga teuf. Pourquoi on m'appelle le chaton? Je ne sais pas. En plus, ils ont l'air de prévoir d'envahir la station-service qui me servait de refuge il n'y a pas si longtemps. Mon Dieu, Jack, que t'est-il arrivé? Ok, on va essayer de survivre. Il faudrait me faire voir le petit jouet qu'on va me proposer. Servi. Oula. Ouh, c'est le gros jouet. Ouh, ça va pas bien. Je veux plus y aller, je veux rentrer à la maison. Ah, il m'aimera bien cette séquence. Je gère. J'ai tout mon temps. Ah, mais il y avait des munitions ici, nom de Zeus. Oh.
pied d'un arc bien utilisé. Je l'ai toujours dit. Puis quoi encore? Non mais oh. Ton destin sera terrible. Les parties shooter sont marrantes parce qu'elles vont demander pas mal d'efforts aux gens qui sont pas trop habitués. Tiens, revoilà nos amis. Le scénario est vraiment total Z et assumé, c'est assez pliant quand même. Et du coup, on veut savoir ce qu'il y aura après. Et je me demande ce qui m'attend. Jack, tu es vivant. Alors, je vous rappelle que Jack, vers le début, s'est fait croquer hein, quand même, mine de rien. Ou alors, il n'est pas passé loin de se faire croquer, et a été récupéré par ces fameux hommes en noir. Vais-je rechanger de perso? Vous le saurez tout de suite, après la coupure de ce que vous voulez. Ça va, je crois qu'on n'est pas trop zombie. Donne ton gun, tu me donnes ton gun, dis, hein, allez, bon ok. Je suis un petit peu tout inspecté, hein. Des fois qu'il y a des petits trucs à gratter, ce serait moche de passer à côté. Non. Donc nous sommes chez les survivalistes. Oui, ces gens qui aiment partager mais uniquement en milieu confiné. Et qui à la fin finissent par se bouffer les uns les autres quand il n'y a plus rien. Oh merde, j'ai spoilé. Je peux même pas donner un coup de pied. What? Je vais beaucoup discuter, c'est horrible.
De l'ail. Je pense que un bon roux à l'ail à la face d'un crabe, ça peut être pas du tout efficace en fait. Non, je ne vais pas faire un icordi, mais. À mieux, c'est tout à mieux. Je vais tout piller chez ces survivalistes. C'est pas bon ça. Je pourrais l'étrangler. Je pourrais y étrangler aussi, hein. J'ai pas besoin d'armes. Mehaha. Comment ça, monsieur K, tu es toujours aussi méchant? Je vais me laver les mains quand même parce que. Et on va faire la scène de la douche. Q. Ah. Regardez pas. Oh, vous y avez cru quand même. La prochaine fois que tu m'appelles maman, toi, tu te prends une gifle. Donc les mecs se défoncent à l'ail. De là à dire que, vu que j'ai eu des zombies, pourquoi je pourrais pas avoir des vampires? Tout le monde sait qu'il n'y a pas de vampires dans les métros. Pareil, pas mieux. On va se faire une petite partie sur une borne. Bon, on a pretty coolly exploré toute cette zone. Il est peut-être temps de passer aux choses sérieuses. Celles qui piquent et qui ne font pas que puer de la gueule à cause de l'ail. On va essayer de trouver ce pétard nom de Zeus. Ok, on va trouver ce professeur. Quel pétochard. Je peux toujours pas te taper.
Apparemment, il aime les biftons. Oui, oh, ça, oui. Mais pourquoi tu le mets? Et on peut pas le prendre. Je veux le skateboard. Et ce fusil à lunettes, nom de Zeus. Oh non. Je m'en vais, t'es pas intéressant, man. T'as pas de flingue à me donner. Où est partie ma collègue? Faut peut-être te causer. Hein. Non, c'est un lâche. C'est juste un lâche. Arrête! Je voulais pas appuyer. Go, go, go. Où est mon binôme? Pas dans la douche. Non, dommage. C'est joli comme cadeau d'anniversaire. Mais c'est mieux avec une mitrailleuse montée dessus. Je pense qu'elle m'attend la sortie. Non, sans doute. Vous avez pas vu Julie, les gars? Non? Ok, non, bah je me barre. Est-ce que j'ai raté une info? Ça, c'est ma grande spécialité. Vous allez voir que je vais retourner au départ du jeu. On va me dire, tu ne peux pas sortir. Si, c'est bon. On se casse. Let's roll, baby. Alors, je sais pas si le mystère n'est pas en train de s'épaissir finalement. Parce que je sais pas où on m'emmène, je sais pas ce qui arrive à Jack, je sais pas où je vais atterrir de surcroît, enfin dans une zone bien infestée apparemment. Et je sais pas ce que je vais récupérer. Apparemment, c'est un ancien conte survivaliste qui a mal tourné. Je vous avais dit, hein, la fin, c'est connu. Il n'y a plus rien, ils finissent par se bouffer entre eux, quoi. Ah oui, on va trouver le professeur. Alors, est-ce que j'ai tous mes skills à disposition? Ouch! Ich! Ça va bien se passer. Et on va bien péter tout le décor pour récupérer un max de bonus, parce que je pense que le prochain boss... Vu ce qu'ils m'ont balancé déjà là, ça va être très sport. Tiens. Verg. Pas Verg. Bon, non. Normalement, ça se relève, un zombie. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en grève. C'est des zombies jaunes. Où qu'on va? Plouf, plouf. Bon, on va pas vers la sortie déjà. Regarde, cocotte. Oh, on va pas s'inventer du stress, on n'est pas pressé, on a tout notre temps. Oui, j'avais imaginé que... Plutôt que se séparer, ce qui est très très mauvais comme idée en général dans les trucs d'horreur, on se serait rassemblés et qu'on aurait pris une petite douche. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va mélanger zombies et vampires. Le coup de l'œil est trop évident. Quand ça va se relever tout ce petit monde, ça va être pas très joyeux pour moi, je crois. Ça passe? Non, ça passe pas. Tiens, sauté de caisse. Regardez ce joli jouet. Jack. S'il y a des zombos qui savent tirer, ça va pas être bon pour mon matricule, je pense. Alors, bandage 4, ça va bien se passer. Enfin, en théorie. Hein.
costaud, toi. Toi-même. Je suis full en bandage, ça c'est la super bonne nouvelle du jour. La tête moins bonne, ça va être que à un moment ou à un autre, inexorablement, tout ce petit monde va se mettre à marcher, c'est obligé. Non? Voilà. On court pas dans les couloirs, on a dit. Oui, j'ai économisé mes munitions, j'ai un arc, autant qu'ils servent. Hein. Regardez-moi ces babus qui sont tout mous. Et cette tête qui ressemble à rien là. C'est... Ça va? Non, ça va pas trop, on dirait. Oui, les chiottes dans les jeux vidéo. Vous connaissez ma théorie? Non? Je vous la ferai pas. Je vais pas la détailler parce qu'on a autre chose à faire, mais j'ai une très grosse théorie. Alors donc on a le clan de l'ail, et là je crois que je suis tombé dans le clan des champignons. Je suis pété en bandage les amis. D'ailleurs tiens, j'avais pas fait gaffe, ma vie est pas si top que ça. Alors ma théorie, c'est il me laisse rentrer dans le complexe sans trop de difficultés, puisque à un moment ou à un autre, il va falloir que je m'en pars. Oui, il faudra que je parte d'ici. Et je crois que c'est là qu'il va se passer quelque chose de moyen rigolo. Oui, c'est le scénario, on va pas en inventer un plus mieux que ce qu'on a déjà eu dans tous les films de Zombos. Ok, je vais continuer ma petite inspection, hein, tranquille, on pourra se faire un... Un petit bain? Non, je vous ai promis une scène de douche. Je comprends pas qu'il n'y en ait pas d'ailleurs. C'est pas très normal, quoi. Je crois que c'est un jeu qui est asiatique, donc ils ont souvent des problèmes avec certaines évocations anatomiques. Si c'est une opération escorte, ça va être chaud chaud. Normalement, c'est le disque est dans la, le disque est dans la, le disque est. Je pense qu'il va falloir que je protège la zone le temps que Pépette arrive. Pépette numéro 2, Julie. Find the disc. Alright. Rurg. Avec tous ces jeux de zombies, je fais de mieux en mieux le zombie. Rurg. C'est Franck! Attends, Franck, je récupère ça. Hop là, on va faire un petit peu de shopping. Mais je suis full en bandage. Qu'est-ce qu'il va me proposer? Alors, il y a peut-être des nouveaux guns. Ouh, ça doit coûter cher parce que, avec tout le matos que j'ai à revendre, je vais péter de thunes, comme on dit couramment.